Good afternoon, everyone. Bonjour, bienvenue à Heywood Road, un match à domicile un peu spécial. Aujourd'hui, un peu différent. Bien sûr, Toulouse ne peut pas jouer à Ernest Vallon encore. Donc, nous sommes ici, dans la pluie, à Manchester. L'équipe de Silva Houle a gagné chacun des matchs joués jusqu'à présent. Et des adversaires, ce soir, Widnes, ils ont remporté la première victoire le week-end dernier. Le voilà, la composition des bleus et blancs aujourd'hui. Here is how the two teams line up. We're looking forward to this one live on Our League. Et Toulouse avec Luttrell Schumkel, Jai Hitchcock, Mathieu Jussom, Junior Vavai, Jordan Flovy, prêté de Catalan Dragons pendant deux semaines. Les demi, Anthony Marion et Jonathan Ford, puis Harrison Hansen, Lloyd White et Justin Sangaré, Andrew Dixon, Joe Bretherton et Remy Casti. Les remplaçants pour Toulouse aujourd'hui, Éloi Pellissier, Mitch Garbutt, Hugo Salabio et Maxime Garcia. Pour Widnes aujourd'hui, this is the Vikings side. Jack Owens, arrière, Dion Cross, Joe Edge, Steve Tyra et Jaden Hatton. Les demi, Joe Lyons et Matty Smith, Owen Farnworth, Brad O'Neill, Kenny Baker, Le Pack, et puis Shane Grady, Ellis Robson et Paul Clough. Les remplaçants, Will Tilik, Adam Lawton, Callum O'Neill et Lewis Els. Pour l'entraîneur de Widnes, Simon Finnegan. Alors, à côté de moi aujourd'hui, c'est le demi-international français Théo Fage. Bonjour Théo. Bonjour. Comment ça va? Ça va, très bien. Et toi? Ah oui, très bien, merci. So Théo, it's his debut on Our League. Tu as joué vendredi soir pour Saint-Élance dans la Coupe. Un match très dur. Oui, un match difficile. Quart de Coupe, on sait très bien. Tous les matchs de coupe sont durs et surtout contre Huddersfield, une bonne équipe cette année qu'on avait joué déjà plus tôt dans la saison et ça avait été déjà difficile. Donc on est content d'avoir gagné, on est en demi-finale maintenant contre l'UFC, donc ce sera un gros challenge, mais ouais, c'était un match compliqué. Et la Challenge Cup, c'est une coupe magique, non? Ah oui, on connaît l'importance qu'elle a pour l'histoire de l'Angleterre et du rugby à 13. C'est un trophée que tout le monde veut remporter, un objectif pour chaque club chaque saison. Donc on est très content d'être en demi-finale. Maintenant, il y a encore une étape pour arriver à Wembley. Et en demi-finale, c'est Hull FC, je crois. Mais le but, bien sûr, c'est Wembley et de gagner. Oui, c'est ça. Hull FC, qui a une très bonne équipe cette année. Ça va être un gros test, mais bon, voilà, c'est les deux. Demi-finale et puis après il y aura Wembley si on arrive à aller jusqu'à là-bas, il faudra gagner. Ouais. Et aujourd'hui, ici à Manchester, un peu différent parce que c'est un match à domicile pour Toulouse, mais c'est un peu différent parce que la pandémie, c'est un début de la saison très difficile pour Silva Houle et pour Toulouse, bien sûr. Oui, c'est vrai que pour Toulouse, ça doit être un peu compliqué. Je pense qu'ils aimeraient jouer à la maison dans leur nouveau stade en plus. Donc, ils doivent s'adapter avec le Covid. C'est pas forcément facile, mais bon, c'est un challenge et j'espère qu'ils vont pouvoir réussir à gagner leur match à domicile qui n'est pas à domicile aujourd'hui. Donc, on reste 10 minutes pour le coup d'envoi ici, Toulouse. Face à Widnes au championnat Betfred, en direct sur Our League. Et écoutons maintenant des deux entraîneurs qui parlent avec Martin Knight. Postponed already. A win is obviously important, but is it more important to just be playing and get the team up to full match fitness? Yeah, it is. You're absolutely right. It's, you know, like... first of all, we're thankful, you know, like to Swinton, you know, like to allowed us, you know, to play there in their home ground. But after that, yeah, at the end of the day, for us, we're ready to do anything it takes to play. Obviously, we would prefer to play Ernest Vallon, you know, in Toulouse, but
At the moment, it's like everyone knows, you know, it's quite tricky situation, and we have to deal with it. You know, like we're quite ready, and we don't want to play them all. You know, in England, we obviously want to play them in Toulouse very soon, but until we know France is knowing green and the government, both government, doesn't allow us to do so, and you know, we will we'll try as much as we can. You know, because obviously there's a financial cost behind that. We'll do as much as we can like that. Ouais, il me posait la question un petit peu de savoir que c'est un match à la maison que l'on joue à l'extérieur. Et c'est vrai que bon, déjà je remercie l'équipe de Swinton qui de nous accueillir ici. Bon, pour le moment, vu les conditions de Covid, les conditions sanitaires, ça ne nous permet pas d'accueillir les matchs encore à Toulouse, mais il nous tarde vraiment de jouer à Nesballon, dans notre nouveau stade, et nouveau surface, vestiaire et en espérant devant nos supporters. Donc voilà, c'est vrai que c'est, pour le moment, on doit faire le dos rond, on accepte ces conditions parce que c'est un match prioritaire. En plus, Swinton, on ne les joue qu'une fois donc, dans la saison, mais il nous tarde de rejouer à la maison à Toulouse. Widnes have had a mixed start to their season, but a good win in their last game. What will be your main objectives today in your attempt to come away with a victory? Oh yeah, they come back obviously out of the back of the great game, you know, against Swinton, against Swinton, exactly they were playing, you know. So it's we focus on us, you know. We know they've got a well, you know, organized team with some good players, experienced players, some youngsters at the moment on loan. So but we were not happy with our last performance against Halifax, you know, like very happy with the first 34 minutes, but after that we went to bed, you know. And so we like at the moment it's a little bit tricky because we play, we got 2 weeks off and we play again, so it's hard for us to find the rhythm. But again, it's on us, you know, like we talk about a lot about attitude for today, you know. So that's what I'm looking at, you know, like how we're going to turn up and how, you know, like when our combination of players, how they're going to work together, and defensively and offensively, you know, it's the conditions might be wet a little bit today, so again it will be something to readjust, and we'll see how we're going to adapt. Non, les clés, c'est vrai que Widnes vient d'un match, d'une victoire, sort d'une belle victoire, le plus 40 points contre Swinton. Donc c'est pour le moment, ils ont retrouvé de cette confiance après leur début de saison difficile. Mais c'est une bonne équipe, organisée autour de Matty Smith, un demi de mêlée d'expérience. Hein, et donc, avec des bons joueurs, quelques jeunes qui sont en prêt d'équipes de Super League. Donc il faut se méfier. On a parlé beaucoup de notre attitude aujourd'hui, de venir ici. Et on n'est pas très content de notre performance après Halifax. 34 minutes ou 32 minutes, excellentes. Mais après, derrière, on leur a permis de revenir dans la partie. Et donc on veut vraiment réajuster ça. Et ça, à un moment donné, c'est notre attitude. On veut voir comment on va s'en sortir. Et les combinaisons un petit peu entre les joueurs. Les liens qu'il y a entre eux, et c'est ce qu'on voit vraiment, ce que je veux voir aujourd'hui sur le terrain. Merci beaucoup, Sylvain. Have Merci. A good game today. Merci, avec plaisir. Au revoir. Simon, I guess it's been a frustrating start to your season. Some convincing wins, especially the last game, but also some big losses. You're obviously going to have to be at your best against the Toulouse side today. Yeah, and the areas we need to be good at is the areas that we've been good at the week before, and the week before that we weren't so good at, and we got beat. So you know, we know what we need to do, and them little efforts and off the ball things, and if you do that in this competition, you're certainly in a chance to win the game, and that's no difference for Toulouse as well. They'll need to do them things well to beat us, so that's the way the season's going to go. You picked the same team that beat Swinton last week, or certainly the same squad, and I understand that also that's because of injuries and people not being back in time for this particular game. But what are you going to look to do? How are you going to try and beat this sort of strong, favoured Toulouse side? Oh, again, as I just said, you know, they're not unbeatable. They're not a team that's miles ahead of everyone else in the league. They're clearly the favourites to go up because of their ambition and the way they speak about themselves as well. That, you know, they want to get promoted. But again, I've said it many times. I don't think that there's teams in this division that are streets ahead of everyone else. They're going to have to work just as hard as us to get the result. And if we do that, we'll be in a position to win the game. So it's clearly going to be a tough game. We're going to have to be good to win, but them little effort areas are what helping a lot of teams win in this division at the moment, so that's what we're focusing on. And you have been battling with some injuries. Have you got players back, or is it as I say, as it was last week? It's the same 17 as last week, but again, I thought they were very good. We haven't got some of our injured boys back, but the plus sign for that is we didn't lose anyone, which is
that's not happened to us yet this year. So, you know, there's pluses and negatives, but that doesn't have an influence on today. We've got a good side out, and again, if we do the little things right, we'll be in a position to win the game. Thanks very much. Good luck today. Thank you. Simon Finnegan and Sylvain Houlez. Toulouse Olympique face à Widnes Vikings en direct aujourd'hui sur Our League dans cette année très importante pour le rugby à 13. It's a big year for rugby league. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au stade Ernest Vallon pour un accord historique, la signature de la convention entre le Stade Toulousain et le TO13 qui mutualise le stade ensemble. C'est historique, rugby à 13, rugby à 15, Stade Toulousain, Ernest Vallon, la signature et cet accord entre Didier Lacroix et Bernard Sarrazin. Très, très heureux de se retrouver ici dans ce que j'appelle comme du moins un écrin où on va pouvoir proposer quand même à nos joueurs une pelouse qui est extraordinaire, des vestiaires qui sont extraordinaires, toutes les parties administratives aussi, des bureaux, des lieux de sol. L'idée de mutualiser ce stade et l'idée de permettre au Théo de jouer dans le meilleur des écrins. On parlait de la qualité de la pelouse. On parle bien entendu de l'ensemble de la logique commerciale qu'engendre cet espace. Toute l'économie que l'on va pouvoir générer à travers cette infrastructure, à travers bien évidemment la billetterie que l'on espère plus importante, mais aussi les boutiques, les boissons, etc. Donc pour nous, ça peut être un bénéfice très très important. Avec les amis du stade qui sont les propriétaires des lieux et qui ont eu là aussi ce degré d'ouverture d'arriver jusqu'à là. L'accompagnement des institutions qui a compris l'intérêt général que revêt le stade Ernest Vallon. Ernest Vallon nous amène quand même dans une autre dimension. Je pense que ça va nous aider considérablement à toucher vraisemblablement un autre public. Il est tout à fait intéressant que le public, qui surtout à ce jour ne rêve qu'une chose, c'est de ressortir, qu'effectivement nos publics puissent s'entremêler. On sait qu'on a des gens en commun. Être capable de venir voir un match de 13 un jour et deux jours après un match du 15, c'est pas l'un ou l'autre, mais ça peut être l'un et l'autre. Je pense qu'on peut s'entraider, arriver à grandir ensemble, arriver à faire des choses que l'on n'a pas encore imaginées et que l'on doit créer pour demain matin, qui permettront d'avoir des joueurs qui, encore une fois, soient meilleurs sur le terrain. En tout cas, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Je voudrais quand même remercier aussi tout le personnel du stade Toulousain, parce qu'on a été formidablement accueillis ici. En mettant un peu de pression, moi, j'ai qu'un objectif. Je pense que cet écrin se doit d'avoir le prestige d'avoir deux équipes au plus haut niveau. On a notre page de l'histoire à écrire ensemble. Donc on est vraiment très très heureux. Et encore une fois, merci Didier de ton implication dans ce dossier qui nous a mené aujourd'hui à cette signature pour une durée de 10 ans. Merci à vous. On arrive à se mélanger en période de Covid. Donc imaginez quand il ne sera plus là. Depuis sa création en 1932, la Mutuelle du Rempart est fière d'être une mutuelle totalement indépendante. Toujours en quête d'innovation, elle crée et gère ses garanties en proposant constamment de nouveaux produits et services à ses adhérents. La Mutuelle du Rempart, c'est LA mutuelle toulousaine. Mutuelle référente en Haute-Garonne avec plus de 60 000 personnes protégées, elle compte actuellement 8 agences réparties sur son territoire. Toulouse Wilson, Toulouse Minimes, Colomiers, Muret, Saint-Gaudens,
Revel, Castres, Albi, sa force. Merci. Ses forces, l'expérience, la proximité, l'écoute et la disponibilité. La Mutuelle du Rempart suit ses convictions pour préserver vos intérêts. Pour adhérer, pas de limite d'âge, pas de frais de dossier ni de frais annexes. De plus, pour les familles, seul le premier enfant cotise. Bien entendu, le tiers payant est généralisé dans toute la France. Alors, Toulouse Olympique face à Widnes Vikings en direct sur Our League dans cette année très importante pour le rugby à 13. Ce n'est pas le sud de la France, bien sûr, mais voici les équipes. Les Bleus et Blancs arrivent à Manchester. Et le rêve, je crois, pour Toulouse, Théophile, c'est le Super League, non? Ah oui, c'est ça. Ça fait plusieurs années que l'objectif de Toulouse est de monter en Super League, et c'est bien sûr un rêve d'un jour, espérons cette année, qui puisse se réaliser. Ça serait super pour le rugby français d'avoir deux équipes en plus du Dragon Catalan, Toulouse en Super League. Ça serait très, très bien pour le sport rugby à 13 français. Alors Widnes sont prêts avec l'entraîneur Simon Finnegan, mais on attend de Toulouse pour ce match à domicile, mais un match très différent, bien sûr, parce qu'on est ici à Manchester. Mais ils ont gagné chacun des matchs jusqu'au moment. And you would think they are big favorites today. Le voilà, le Toulouse Olympique, avec Jonathan Ford, le demi de la mêlée. Et il est un des joueurs, Jonathan Ford. Dangereux aujourd'hui. Oui, on connaît ses qualités. Il va bien contrôler cette équipe de Toulouse. Il a beaucoup d'expérience à Toulouse, comme à Widnes. On voit Matty Smith, Jack Owens et plusieurs joueurs qui ont déjà joué en Super League. Il y a beaucoup d'expérience dans les deux équipes, mais ça va être un combat assez difficile. On voit que il pleut un petit peu. Je ne sais pas si ça va être. Bien sûr. Et avant le match, cette période de 13 secondes pour soutenir l'opération Tackle It contre le racisme et toutes les formes de discrimination. L'arbitre aujourd'hui, today's referee, Monsieur Tom Grant. Et c'est coup d'envoi pour Toulouse qui va jouer de gauche à droite cette première période. Et voilà, coup de pied de Jonathan Ford. C'est la première tenue pour Widnes. Et déjà, défense avec puissance de cette équipe toulousaine. Hold!
Paul Clough. Avec le deuxième tenu. Puis cinquième et dernière tenue. Donc le coup de pied de Joe Lyons. Première chaîne très bien complétée de Witness. Là, on voit qu'ils ont commencé le match avec beaucoup d'intensité et un bon jeu au pied dans le coin pour construire la pression. C'est un match très difficile aujourd'hui pour Witness, qui a gagné la semaine dernière contre Swinton, qui a perdu aujourd'hui contre Bradford. Et c'est Toulouse encore. On voit la rapidité et l'intensité du jeu de Toulouse ici pour cette première chaîne. Yeah, great. Beaucoup d'énergie. Great first set. Et puis la chandelle pour la première fois. Bien fait. And a big hit as well, Théo. Oui, je crois qu'il essaie d'escorter son joueur pour que l'arrière puisse réceptionner la balle et il y a une grosse collision. Oh, c'est bien fait par Jaden Hatton. Le centre de Toulouse. De Witness. On a joué 2 minutes, Toulouse 0, Witness 0, en direct sur Our League. L'équipe de Simon Finnegan. Plaquage par Justin Sangaré. Coup de pied de Matty Smith. Oh. 40-20, je crois. Tout à fait. Très bien. 40-20. Très bien joué de Matty Smith. Excellent, bien fait par Matty Smith. Et une belle occasion pour Witness ici. C'est ça, ça fait toujours du bien, un 40-20 pour l'équipe. Maintenant, ils sont en bonne position pour essayer de marquer des points. Il ne faut pas qu'ils se précipitent. Et pénalité contre Toulouse. Great start this. Premier test pour la défense de Toulouse. Oui. Matty Smith à droite. Il a des options à gauche et à droite. Et puis Brad O'Neill, joueur du match la semaine dernière. Smith encore. Et puis Clough, l'ancien joueur de St. Helens. Oh, oui. Comme toi, Théo. Promonter le ballon, Grady, avec puissance, et bien fait. Il reste deux tenues ici. Il y a Grady et Tyra à gauche, et des options à droite aussi. Il va à droite, Smith. Ah, c'est bien fait. Beaucoup de changements de direction. Hein. Ouais. On voit qu'il essaie de fatiguer la défense et les avants de Toulouse. O'Neill encore. Défense excellente, mais libération de ballon et puis en avant. Oula. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Le premier en avant, je crois. What a set from Witness. Oui, ils ont tenté, c'était là. Je crois que l'avantage a été joué, donc je ne sais pas si. Ballon pour, qu'est-ce qu'il a dit, l'arbitre? Pour Witness. Ils ont une seconde chaîne. C'est prêt. Belle occasion encore. Baker. Voilà le très gros moment pour l'attaque de Witness. Ouais. Oh! Plaquage haut peut-être, non? Grady à gauche. C'est Tyra, bien. Gros plaquage par Sangay. Clough encore. Belle ligne.
Ils ont commencé très bien ici, Widnes. Baker. Hatton. Non, le pot est fermé. Dernière tenue, coup de pied, la chandelle de Matty Smith. Et récupéré par Toulouse et en jeu aussi, Théophage. Très très bonne chaîne de Widnes. Ils ont posé beaucoup de questions à la défense de Toulouse qui a bien répondu présente. C'est que le début du match, mais beaucoup de changements de direction, d'intensité. Toulouse s'en sort avec une pénalité pour respirer un petit peu, donc ça va leur faire du bien. Yes, a strong start from Widnes, but Toulouse survive and have this piggyback up the pitch. Jonathan Ford. Sur la ligne 40 de Toulouse. Et pénalité encore, en jeu encore. Il faut garder le sang-froid, non? Witness. Oh oui, voilà, maintenant, grosse chaîne pour Toulouse ici, qui va attaquer la ligne et on va voir ce que la défense de Witness peut répondre. Yes, a stay est-ce qu'elle va tenir le coup ou est-ce qu'elle va craquer? Big set. Avec Lloyd White qui a marqué. Il a entré deux fois la semaine dernière. Jonathan Ford encore. C'est mieux pour Toulouse. Schumkel. Cinq mètres devant la ligne. Ford encore. Changement de direction. Bretherton. Et Jonathan Ford à gauche maintenant. Ça chauffe sur la ligne. Ça joue très vite, oui. Coup de pied. Et peut-être le premier essai du match. À gauche, marqué par Toulouse. Et c'est Toulouse Olympique qui mène 4-0. Oui, la vitesse de jeu a fait la différence, je pense. On voit que les deux équipes n'ont pas peur de jouer au ballon et de libérer. Mais là, c'était trop rapide pour la défense de Widnes qui n'a pas tenu le coup. Lloyd White encore, il a entré deux essais la semaine dernière et le premier essai aujourd'hui. On voit ici Andrew Dixon qui joue vite son tenue. La défense n'a pas eu le temps de se repositionner. Un petit coup de pied, ricochet. Petit peu de la chance peut-être. Un petit peu, mais il faut toujours se la créer, donc c'est bien joué. Oui, c'est ça. C'est bien joué. Yeah, a little bit of luck, just saying. But you create your own luck. And it's Toulouse who have the lead. Et puis encore la transformation de Anthony Marion. Talonneur très dangereux, Lloyd White. Trois essais en deux jeux. C'est 4-0 pour Toulouse. Ici à Hayward Road, Sale, au-dessus de Manchester. Mais il pleut, bien sûr. Ce n'est pas le sud de la France, c'était. Alors, transformation de Anthony Marion. Non, il a raté, donc c'est 4-0. And here is another look at that Toulouse try. Yeah, so we were saying they're playing really fast. We can see Andrew Dixon's finding his elbows and knees just to play fast again, and the defense not got time to reload. The nine can see that well, and he goes it himself. Just a bit of luck with the kick, but he did well there to regather the ball and score. Toulouse 4, Widnes 0. Nous avons joué 10 minutes, 11 minutes, 11 minutes, je crois. Ouais, c'est ça.
C'est l'essai de Lloyd White, la défense en ce moment. Il ne s'est pas transformé. Il n'a pas pu mettre les deux points. Cette fois, Anthony Marion, Remy Casti. Avec puissance au milieu de terrain. Et puis Jonathan Ford aussi passe à l'intérieur. Et puis encore. Ah, non, non. Bonne défense de Widnes. Mais le danger. Devant la Poitou. Bretherton. Et puis deuxième essai. Pour Toulouse. À droite. Des belles mains rapides. Et essai par Mathieu Jussom. Et c'est Toulouse qui mène 8-0. Très grosse chaîne après un essai, c'est toujours important. Toujours important la chaîne après les points et ils arrivent à concrétiser avec notre essai. On voit là un très joli play intérieur. Et puis après le soutien d'Anthony Marion. C'est bien fait par Marion. Et puis il a livré le ballon. Il y avait des options à droite. Plus beaucoup d'options, tout le monde s'est repositionné en attaque. Le centre a profité de l'opportunité à partir la balle. Il était trop fort pour Jai Hitchcock. Marion pour 10-0. Non, pas encore. Donc deux essais et 8 points pour Toulouse. And a really good start to this game from the French side. Really good start. You can see there the shifting the ball there for Choi from the centre in strength really. But it came from a really good forwards going forward and a play inside play by Jonathan Ford. What do Widnes need to do now? Ce qu'il doit faire les Vikings. Maintenant pour Widnes il faut juste qu'il se remette dans le match et défendre cette chaîne. Celle-ci est très importante. Et récupérer le ballon. Parce que sans le ballon c'est difficile. Oui. Sangaré. On voit que les avants de Toulouse avancent bien. Lloyd White, plein de vitesse en ce moment pour Toulouse. Dernière tenue, donc c'est fort encore avec la chandelle à gauche, bien fait par Widnes. But again, look where they are, Théo. Ouais, c'est difficile maintenant. Il faut juste qu'ils transfèrent la pression et retourner dans ce bras de fer. Après quelques chaînes de défense, c'est toujours un peu compliqué, mais bon, il faut mettre l'effort et arriver à compléter la chaîne. Théo Fage sur Our League aujourd'hui. Le demi international français. And you must be looking forward to the World Cup this year. Oui, bien sûr, c'est un moment de la carrière qu'on rêve tous. Donc jouer pour son pays, représenter son pays, spécialement une Coupe du Monde. Donc malgré les conditions, ils nous tardent tous la Coupe du Monde cette année. Faut pas Widnes. Et c'était le dernier tenu, ça, encore, je crois. Ouais, c'est pas ce que Widnes a besoin en ce moment même, surtout après avoir encaissé un essai la chaîne d'avant. Donc là, ils sont de nouveau sous pression. Ouais, c'est ça, nous avons joué 15 minutes à Hayward Road, Toulouse men. 8-0.
de transformation raté par Anthony Marion, mais les essais de Lloyd White et Mathieu Jusom. Ford encore. Le demi de mêlée dangereux pour Toulouse. White avec le coup de pied. Et c'est mieux ça. Coup de pied de troisième tenue. Hein, ouais. Oh, seconde tenue. Je crois que l'arrière était dans la ligne de défense, donc il a tenté. Yeah, it's a kick, a little grubber kick, second or third tackle in the count, they are saying. Un changement de tactique peut-être. Yeah. Oui, quand l'arrière est dans la ligne, c'est une bonne idée. Il essaie de défendre et de sa défense. Et peut-être la prochaine fois, il hésitera. Du coup, ça créera des espaces dans la défense. La pluie continue à tomber. Matty Smith. Oh là là! Il est monté dans le stade à droite. Il a essayé une nouvelle fois le 40-20, mais ouais. Celui-ci n'a pas réussi. Directement en touche, ballon mort. Grosse erreur, gros frappe en witness. Encore de la pression de ouais, Toulouse. Voilà, il cède pas eux-mêmes, donc là, c'est encore une nouvelle pression. And he's better than that, Matty Smith, he's better than that. Oh, we all know how good a player he is and can be, so he's better. But things happen, sometimes you can miss a kick. Oui, c'est ça. Des fois, tu peux manquer un coup de pied, ça arrive à tout le monde. Lloyd White. Et Anthony Marion encore. Il joue bien en ce moment. White. Oh non. Un en avant de Lloyd White. C'est le tenu et mal joué. Mais ils ont échappé, la witness. Ouais, là, ils s'en sortent plutôt bien maintenant. À eux de ne pas refaire d'erreurs comme ils ont pu le faire. Let's have another look at this. Ouais, oui, un peu un tenu mal joué. Ah, c'est Bretherton, il n'a pas joué le ballon. C'est quoi? Un défenseur dans le tenu, enfin, il y a un peu de cafouillage là. Oui. Il n'a pas touché le ballon. C'est la responsabilité du joueur, on sait que c'est le rugby à 13, il y a des tenues. Et c'est très facile à faire. C'est très facile à faire, non? Donc voilà, c'est des fautes un petit peu qu'il faut éviter. Inutile. Yeah, absolutely. Mais ça libère un peu la pression pour Witness. Yeah, it's alleviated some of the pressure on Witness. Matty Smith. Il avait gradé à gauche, mais il a tenu le ballon. Il a gardé le ballon tout seul. Oh! Très gros plaquage. Big hit to Harrison Hansen. Yeah. Et il est blessé, je crois. Oh, c'est mon cas du seul. He's injured. Il est blessé. Oh. C'est gros plaquage. L'épaule qui est restée un peu sur ce plaquage. Là, on voit Matty Smith qui attaque sur le côté droit. Qui a été stoppé par l'arbitre avant de passer. Ouais. C'est bizarre. Fabien Nutter a joué. Ça a passé vite, non? Oui, ça passe vite. Pour Inès, maintenant, il faut qu'il tienne encore une chaîne défensive. Ils seront sous pression après cette touche que Jonathan Ford va trouver. L'équipe de Witness sous la pression en ce moment. Ils ont besoin d'une penalty, quelque chose pour pouvoir relâcher la pression, mais c'est encore Toulouse qui attaque. Lloyd White avec Hanson encore. Il a récupéré, je crois. Oh. Juste avant les Poitiers, ça chauffe pour Toulouse encore. Ford. Ah, bien joué. Et puis très facile pour Toulouse là. Bonne défense de Witness là. Bonne défense, mais belle occasion
pour Toulouse de marquer encore. Troisième essai du match. Il mène 8-0. Cinquième et dernière tenue. Et Sanga est pour la ligne, il est plongé sur la ligne. Et il marque. Il a inscrit l'essai. Justin Sangaré pour Toulouse. Ouais, c'est compliqué pour Winnes là. À force de défendre, ben, ça craque. Et la vitesse et la puissance des avant de Toulouse ont fait le job là sur cette chaîne. En force. Ouais. Plein de force, plein de puissance. Il est trop difficile pour Winnes d'arrêter le grand homme de Justin Sangaré. C'est ça, on voit Rémi Castier, sa position préférée, talonneur, qui donne un bon ballon à son autre pilier. Très bien joué. L'expérience. Trois essais pour Toulouse. Et je crois devant les poitaux. Winnes qui laisse des plumes à force de défendre. Ils ont réussi à défendre quelques chaînes. Mais bon, celle-ci était de trop. Mais c'est difficile, c'est dur pour Witness maintenant, non? Ouais, maintenant il faut juste qu'il reparte à zéro et. 12 points à zéro et maintenant 14 points à zéro pour Toulouse. Transformation pour Anthony Marion. And Toulouse, Théophage are taking a firm stranglehold on this game. Yeah, Toulouse are doing well. They're going forward, they're playing fast. You know, they're scoring tries. So you just don't stop Sangaré from there. No, it's too hard. He's big, he's coming at speed, so one-on-one there against the fullback. So Witness again kick off. Oh. Ils ont récupéré le ballon là. Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a arraché un contre un, il a arraché la balle. One on one ball still for Witness. C'est la nouvelle règle. Il a dit oh non, mais il y a deux défenseurs là, non? L'arbitre a estimé que. Oui, l'arbitre a estimé qu'il y a. C'était arraché un contre un. Très bonne opportunité là pour Witness. Bonne opportunité, bonne occasion pour Witness. De revenir à gauche des poitaux ici. Held up. It looked like two in the tackle now. You're nodding. Mais l'arbitre, il a dit c'était. L'arbitre a toujours raison. Ouais, c'est ça. Matty Smith, non. Oh. Erreur de Witness. Oh là là. C'est dommage. C'est... Oui, voilà. C'est... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà. Il y a deux, trois peut-être. On voit qu'ils communiquent, on voit que le numéro 12 essaie de dire à ses copains de lâcher le tenue. I'm not sure. Maybe there was, peut-être qu'il y en avait un encore sur le bagage, en trop. Alors? Mais bon, Toulouse s'en sort bien, ils n'ont pas concédé de points là, donc. Ils seront contents. Ça. Ils ont récupéré le ballon. 14-0 à Toulouse. À Haywood Road, la domicile des Swinton Lions aujourd'hui. Et plus tôt, ils ont perdu contre Bradford. Pénalité contre Witness. Opportunité encore pour Jonathan Ford et pour Toulouse. Oui, encore une fois, une pénalité qui va mettre la pression à Witness. Et une bonne opportunité de marquer encore. Un plaquage haut, je crois. High shot. Oui, des problèmes de discipline. Ils font des fautes avec la balle et discipline en défense, ça les aide pas. Alors encore, la pression monte sur la ligne de Witness. Oh, play on, Bretherton. Il est passé. Oh, il continue tout seul. Bretherton, great player, Bretherton. Lloyd White, il a entré. Déjà
Ça continue, oui. Six to go, six again. Ça va pas à zéro. Le joueur de Winness a touché la balle, contré la balle là, sur la passe de Ford. Hansen. Avec puissance. S'approche. S'approche, ça chauffe sur la ligne. Encore. Oh, c'est trop facile. Quatrième essai. Entry Portelus par Andrew Dixon. Ouais, une fois de plus la vitesse et il laisse beaucoup de place autour du ruck et des 1 contre 1 près de la ligne avec des joueurs puissants. C'est trop facile ça, non? C'est facile, ouais. C'est, faut qu'il resserre les espaces un peu autour du tenu. Peut-être Winness, ils peuvent pas laisser passer comme ça. How do you say one-way traffic in French? Because that's what we're viewing at the moment. This is too good for Toulouse. Sens unique, sens unique. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais, absolument voilà. Ça. Il y a trop de voilà, fautes, trop d'erreurs. C'est ça, il est tout seul sur sa ligne et un contre un. Là, c'est des opportunités. Il a plongé pour la ligne. Andrew Dixon. Yeah. Et 18 maintenant, 18.0 pour Toulouse. Peut-être ils vont jouer tous les matchs ici. Ça marche en ce moment, non? Ouais. Je sais pas s'ils aimeraient jouer tous leurs matchs à domicile, mais bon, pour le moment, c'est. Alors, c'est transformation comme ça. De Anthony Marion, oui, 20.0. And Toulouse are turning the screw. Voilà. La puissance, il a gagné 15 mètres, je crois, c'est un peu facile. Il n'y a pas vraiment de lutte au sol pour ralentir le tenu. Et là, un contre un, l'expérience de Dixon pour prendre les poids extérieurs et l'espace et l'atterrir dans la butte. Mitch Garbutt. Qui a gagné le grand final avec Leeds, mon équipe. À 2027. Ouais. Ouais, beaucoup de joueurs d'expérience à Toulouse avec Rémi, Mitch Garbutt, Harrison Hansen. Et maintenant aussi Tony Gigo. Et Tony Gigo qui va amener une touche de plus à cette équipe, un peu d'expérience et de folie. Ouais. On connaît Tony. Il sait jouer au rugby et. Et c'est le style encore, le ballon perdu en avant. Erreur. Et ils ont besoin de ça, Witness, je crois. Ouais. Bon, Toulouse à 20.0 commence peut-être à jouer. They're just eating up the ground. They're starting on their own line, Théo. Yeah. Ouais, c'est look where they are. Ça. C'est dans les meilleurs des cas, c'est ce que tout le monde aimerait, tous les matchs avancer aussi bien et ils y arrivent aujourd'hui, donc c'est très difficile pour Winness de stopper cette attaque et cette puissance. Début du match très difficile pour Simon Finnegan et Witness. Toulouse 20, Witness 0. Ils n'ont pas peur, même après quelques erreurs, ils n'ont pas peur de jouer au ballon. Trop des erreurs, trop de fautes, trop de pénalties aussi. Alors c'est mieux, bien fait, à droite, et libéré, et pénalité pour Witness, et pénalité, ils vont pouvoir relâcher la pression, Théo. Voilà, maintenant il faut qu'ils mettent en place une bonne chaîne d'attaque et fatiguer un peu cette défense de Toulouse, qui n'a pas trop défendu encore. Can Witness strike here, Matty Smith. Et puis Jack Owens. Une attaque au premier tenu. Hatton avec Grady et Lyons. C'est le remplaçant Tilik pour Witness. Option à gauche et ici encore à droite. Matty Smith avec beaucoup d'expérience. Smith encore. Oh, Jack Owens. Ça continue.
bien défendre. Pas tout le Smith encore, Lions. Coup de pied, mais récupéré par Toulouse, c'est bien fait par Mathieu Jusson. Ouais, bonne défense, bonne enchaîne d'attaque aussi de Witness, mais la défense est trop forte de Toulouse sur cette chaîne. Frustrating for Witness. Oui, ouais, il faut pas qu'il se frustre. Toulouse n'a pas encore beaucoup défendu, ils sont encore frais. Il faut juste qu'ils construisent cette pression. Et ça craquera peut-être, il faut continuer à attaquer. Six again, Bretherton. Rester dans le bras de fer. On voit Toulouse direct qui accélère le jeu quand même dès qu'il récupère la balle. Et voilà. Pénalité. Justement, ils accélèrent, ça crée des fautes. Placage haut de nouveau, un peu d'indiscipline. Un peu d'indiscipline, oui. Placage haut. Ils se remettent de nouveau sous pression. Oui, voilà, placage haut, on le voit. Joe Lyons, je crois. Donc, encore de la pression de Toulouse avec Garbutt. Il est difficile à arrêter. Et aussi, Rony Casti. Ouais, devant les Poitou, libération. Et puis Jossom. Non, passe en avant. On voit de nouveau, il y a beaucoup d'espace autour du tenu. Derrière le tenu, et Loi qui en profite là avec son pilier, un contre un. Une libération un peu hasardeuse, mais bon, c'est... Je sais pas. Ce qu'il y a avant, mais... Was there a knock-on there? I don't know. He said so, il a dit, oui, l'arbitre, Monsieur Tom Grant aujourd'hui, l'arbitre. Donc on continue. Toulouse 20, Widnes 0. Il reste 8 minutes à jouer. Avant le mi-temps, avant la pause. Devant Tyra, c'est difficile. Première période très difficile pour Witness. Ouais, c'est difficile. Après, ils essaient de trouver des solutions et ils n'en trouvent pas forcément. On voit qu'il y a des passes qui tombent beaucoup par terre. C'est un peu brouillon, mais. Cinquième et dernière tenue, coup de pied de Matty Smith. Et le retour de Latrell Schumkel. Jonathan Ford à dummy half. Toulouse sur la ligne de 40 de Widnes. Bien plaqué. Il reste 7 minutes. Garbutt encore. On est revenu dans un petit bras de fer. Il lève le bras de fer, Mitch Garbutt. Salabio, le jeune des Dragons catalans. Marion, avec la chandelle. Et bien fait. Bien réceptionné. Bien récupération de ballon et plaquage. Tip tackle. Et pénalité pour Witness. A little bit dangerous, perhaps. Oui, on va voir à l'image, je crois que. Bon. Il n'y a pas vraiment grand chose à vrai. C'est un peu dur. Ça relâche un peu la pression, c'est dommage. Il y avait eu un bon petit coup de pied dans le coin. Les deux premiers tenues, ils n'avaient pas forcément fait gagner 2 mètres, Witness. Donc. Ça leur fait du bien. C'est un peu dommage pour Toulouse. Mais bon, Toulouse est en contrôle du match pour le moment. Donc, pour le moment, oui. Mais c'est Toulouse qui mène 20-0. Il reste 5 minutes avant la pause. Tilik
Liverpool win this. O'Neill. A gauche. I think Lyons. We'll have it. Grady. Akuti. O'Neill encore. Matty Smith. Plaqué par Galbert, mais Libération. Opportunité. Grady. Bien plaqué. Dernier tenue. O'Neill. Smith. Coup de pied coincé de Smith. Et non, opportunité pour Widnes. Et essai pour Adam Lawton. Ouais, voilà, on part de la pénalité alors que Toulouse était dans une bonne position dans le camp de Widnes. Et... oh, l'essai n'a pas été accepté. L'essai n'a pas été accepté. Oh, it's been disallowed. Hors-jeu. Offside. Il a dit l'arbitre qu'il y avait un enjeu là. Sûrement, peut-être il est parti avant le coup de pied. Ou... Ouais. So just in front of the kicker, we think. Lawton. On va pas. Qu'est-ce que tu penses? What do you think? Difficile à dire. Difficile à dire. Vraiment aux images, mais. Donc ils ont échappé là, Toulouse. Ça fait l'affaire à Toulouse. Ça aurait mis Widnes dans le match un peu, juste avant la mi-temps. Il est sorti de la pelouse, du terrain. Remy Casti. Remy Casti comes off for a breather. Jonathan Ford. Pénalité contre Widnes encore. Trop de pénalité. Ouais, juste avant la mi-temps, là, il faut qu'il... Il faut qu'il tienne bon pour avoir une chance en seconde mi-temps, je pense. Il faut garder le sang-froid maintenant. Si Toulouse peut inscrire une autre, c'est très très difficile. Ouais, cette chaîne va être très, très importante. Big set, Ford. Maxime Garcia. À face des Poitou. Ford encore. Le danger, Jonathan Ford. Oui, Ford, c'est la pièce maîtresse de Toulouse. On le sait, ça fait plusieurs années que c'est le demi et très dangereux. Oui, c'est ça. Il a des pieds magiques. Il va tout seul. Et Loic a essayé. Mais la porte est fermée. Il reste deux tenues, je crois. Ford encore. Changement de direction. C'est facile. Et Dixon encore. Deuxième essai du match pour Andrew Dixon. Oui, ça fait surprendre sur le changement de direction là. Et un décalage. Dixon qui en a profité. Et encore une défense un peu facile. Plaquage manqué de nouveau. Plaquage manqué. Grand trou pour Dixon. Bien joué, Dixon. That's weak defending though, isn't it? That's weak from Widnes. Un petit peu, mais Dixon a bien joué. Il arrive avec une bonne course et de la puissance. C'est le changement de direction qui a surpris le petit côté de Widnes qui n'était pas prêt. Alors, il reste deux minutes avant la pause, mais Toulouse in firm control. Toulouse qui mène 24-0. Oui, Toulouse sera content de leur première mi-temps, je pense. Journée très très difficile pour Widnes. Et transformation aussi. Pour mettre encore 2 points et 26 points voilà, à 0. Jonathan Ford qui revient un petit côté, la défense qui n'est pas vraiment montée. Voilà, très. On voit Jack Owens là qui gronde son côté droit. Et
It was there was too big a gap, wasn't there, for that last play? You can see Jonathan Ford spotted the left side, didn't come up there, and you know, Andrew Dixon took the opportunity well. Could tell Jack Owens wasn't happy with his side on defence. Help! Release him! Kenny, step back! Kenny, step back! Go, good Kenny too. Thank you, mate. That's okay. The rest, 60 seconds. Ouais, 1 minute de jeu. Maintenant, il faut qu'il tienne bon et pas reprendre un essai avant la mi-temps. Ce serait dommage. Ils ont faim de marquer un autre here avant la pause. Ouais, Jonathan Ford. On sait que Toulouse joue beaucoup ballon. Je ne serais pas surpris qu'il tente un petit coup pour marquer. Attention, Marion. Et, voilà. Et puis Jossom, option à droite, il a entré. Et puis il a entré. Essai par Jai Hitchcox. Et c'est encore Toulouse. Bien joué. Tout. Juste avant la mi-temps, je venais de le dire, ils ont tenté et ça a réussi. 30-0. Voilà, I thought the chance had gone. Dernier tenu, il tente, il a joué à la main. La défense qui n'est pas prête. Et on voit les appuis de Hitchcox là qui endort la défense. L'arrière et l'ailier. Il leur a fait tourner la tête. Des pieds de danseur de Jack Hitchcox. Des pieds rapides pour marquer l'essai. Et maintenant, c'est très très facile pour Toulouse. 33-0. Transformation à venir. Et je ne sais pas ce que Simon Finnegan peut dire à la pause. Ouais, je pense qu'il va essayer de remotiver l'équipe et se donner des consignes claires, et pas trop d'informations. Il faut garder la tête haute et il reste 40 minutes et tout peut arriver. Ouais. Non. Pourtant, cette fois, il a frappé le poitou. Marion, donc, c'est fini. À la pause, Toulouse qui mène 30-0. Here's another look at that try. Yeah, last play. It looked like he'd say the chance had gone, and then he stopped and said, I'll have another go. Yeah, on last play, Anthony Marion decided not to kick. It was only 20 seconds left, and you know, he took a good opportunity, hit the center. Hitchcox did well there on his quick fit to beat the fullback and the winger at the same time. So, very good try just before half time. Très facile à la pause pour Toulouse. Des essais par Dixon. Deux essais de Dixon. Sangaré, Jossom, Lloyd White, comme la semaine dernière, et Jai Hitchcox. 3 sur 6 des transformations de Anthony Marion. Et c'est Toulouse qui mène 30-0. Et c'est très très difficile pour Witness. On peut voir le résumé. Let's have a look at the highlights, the key moments, les moments clés de la première période de Théo Fage. Oui, Toulouse qui a très bien commencé le match. On l'a vu, 30-0 à la mi-temps. La vitesse de jeu des avant, et là on voit Dixon qui joue très vite encore et la défense n'a pas le temps de se repasser. Un peu de chance là pour Thierry Cochet, mais très bien fini. Encore là, après trois gros ballons pris des avant, un peu d'espace intérieur, bien vu par Ford. Et un peu brouillon encore une fois, mais bon, il prend bien son plaquage et la défense n'a pas le temps, on voit, de se replacer encore et les espaces sont sur l'extérieur cette fois. Et voilà, 2-1, le centre décide d'y aller en force. Il a joué un bon match, Jusson. Oui, tout. On voit l'équipe de Toulouse sont bien, sont bien en forme et tout le monde est sur la même page. Encore les avants là qui travaillent ensemble et Winness qui laisse beaucoup d'espace autour du tenu et ils ont bien réalisé ça. Et plein de puissance de Sangaré. Comme ici,
Ça, je voulais qu'il gagne 10, 15 mètres pour mettre ses copains dans le droit chemin. Et ça continue au ras du tenu, encore beaucoup d'espace. Bien spoté par Dixon qui a marqué deux essais aujourd'hui. And this moment where Widnes thought they'd scored. Ouais, ça, je pense que ça. J'ai pas trop bien compris pourquoi Widnes a été refusé cet essai, mais ça a dû leur remettre un petit coup car juste après, on voit Toulouse marquer, donc c'est jamais très bon. Mais. On voit encore Garbutt à 9 là, changement de direction. Le petit côté n'était pas monté et Dixon qui en profite. Très intelligent. Juste avant la pause. Et juste avant la mi-temps, un peu de danse là de Hitchcock qui a endormi son vis-à-vis et l'arrière. Des pieds rapides là. Donc Toulouse à la pause, c'est Toulouse qui mène Widnes Vikings 3-0 contre Widnes. On direct sur Our League, c'est une année très importante pour le rugby à 13. This is a big year for rugby league. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au stade Ernest Vallon pour un accord historique, la signature de la convention entre le Stade Toulousain et le TO 13 qui mutualise le stade ensemble. C'est historique, rugby à 13, rugby à 15, Stade Toulousain, Ernest Vallon, la signature et cet accord entre Didier Lacroix et Bernard Sarrazin. Très très heureux de se retrouver ici dans ce que j'appelle communément un écrin où on va pouvoir proposer quand même à nos joueurs une pelouse qui est extraordinaire, des vestiaires qui sont extraordinaires, toutes les parties administratives aussi, des bureaux, des lieux de sol. L'idée de mutualiser ce stade et l'idée de permettre au Théo de jouer dans le meilleur des écrins. On parlait de la qualité de la pelouse. On parle bien entendu de l'ensemble de la logique commerciale qu'engendre cet espace. Toute l'économie que l'on va pouvoir générer à travers cette infrastructure, à travers bien évidemment la billetterie que l'on espère plus importante, mais aussi les boutiques, les boissons, etc. Donc pour nous, ça peut être un bénéfice très très important. Avec les amis du stade qui sont les propriétaires des lieux et qui ont eu là aussi ce degré d'ouverture d'arriver jusqu'à là. L'accompagnement des institutions qui a compris l'intérêt général que revêt le stade Ernest Vallon. Ernest Vallon nous amène quand même dans une autre dimension. Je pense que ça va nous aider considérablement à toucher vraisemblablement un autre public. Il est tout à fait intéressant que le public, qui surtout à ce jour ne rêve qu'une chose, c'est de ressortir, qu'effectivement nos publics puissent s'entremêler. On sait qu'on a des gens en commun. Être capable de venir voir un match de 13 un jour et deux jours après un match du 15, c'est pas l'un ou l'autre, mais ça peut être l'un et l'autre. Je pense qu'on peut s'entraider, arriver à grandir ensemble, arriver à faire des choses que l'on n'a pas encore imaginées et que l'on doit créer pour demain matin, qui permettront d'avoir des joueurs qui, encore une fois, soient meilleurs sur le terrain. En tout cas, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Je voudrais quand même remercier aussi tout le personnel du stade Toulousain parce qu'on a été formidablement accueillis ici. En mettant un peu de pression, moi j'ai qu'un objectif,
Je pense que cette écrème se doit d'avoir le prestige d'avoir deux équipes au plus haut niveau. On a notre page de l'histoire à écrire ensemble. Donc on est vraiment très très heureux. Et encore une fois, merci Didier de ton implication dans ce dossier qui nous a mené aujourd'hui à cette signature pour une durée de 10 ans. Merci à vous. On arrive à se mélanger en période de Covid. Donc imaginez quand il ne sera plus là. Depuis sa création en 1932, la Mutuelle du Rempart est fière d'être une mutuelle totalement indépendante. Toujours en quête d'innovation, elle crée et gère ses garanties en proposant constamment de nouveaux produits et services à ses adhérents. La Mutuelle du Rempart, c'est la mutuelle toulousaine. Mutuelle référente en Haute-Garonne avec plus de 60 000 personnes protégées, elle compte actuellement 8 agences réparties sur son territoire. Toulouse-Wilson, Toulouse-Minimes, Colomiers, Muret, Saint-Gaudens, Revel, Castres, Albi, sa force. Merci. Ses forces, l'expérience, la proximité, l'écoute et la disponibilité. La Mutuelle du Rempart suit ses convictions pour préserver vos intérêts. Pour adhérer, pas de limite d'âge, pas de frais de dossier ni de frais annexes. De plus, pour les familles, seul le premier enfant cotise. Bien entendu, le tiers payant est généralisé dans toute la France. Yes, a big year for rugby league, une année très important pour le rugby à 13. With the World Cup at the end of the season. Ici, à Haywood Road, la domicile de Swinton Lions. Mais aujourd'hui, c'est la domicile aussi pour Toulouse Olympique. Et c'est Toulouse qui mène 30 points à 0 face à Widnes dans le Betfred Championship. Championnat Bedford. Théo Fage, qu'est-ce qu'il peut dire Simon Finnegan pour changer quelque chose? Je ne sais pas vraiment, peut-être essayer de les réveiller. Après, il y a encore 40 minutes à jouer. S'ils commencent bien cette seconde mi-temps, peut-être ils auront une opportunité de revenir ou peut-être gagner ce match. Après, on voit Toulouse qui est bien structuré aujourd'hui, qui est en forme. Malgré le voyage et leur match à domicile qui n'est pas à domicile comme ils l'auraient voulu, ils ont quand même répondu présent au challenge et voilà, une très bonne performance en première mi-temps. Tu crois que c'est fait, c'est fini? C'est jamais fini. Un match de rugby, c'est 80 minutes, mais voilà, si dans leur tête, ils savent que s'ils commencent bien la seconde mi-temps, Toulouse, ils seront pas loin de gagner ce match confortablement. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire différent? La pause Widnes. Pour Widnes, il faut juste qu'ils reviennent aux bases du rugby. Sans le ballon, ils pourront pas gagner. Donc revenir dans ce bras de fer, faire moins de fautes, être discipliné en défense et après amener beaucoup d'énergie dans leur jeu. Alors le voilà, les joueurs de Widnes avec Steve Tyra et Matty Smith, plein d'expérience. Mais en ce moment, ça ne marche pas pour les Vikings. Qui sont les joueurs dangereux aujourd'hui pour Toulouse Olympique? Toulouse, on voit qu'après leurs avants, il y a les neuf qui démarrent vite et qui jouent. Il y a Anthony Marion et Ford qui savent bien mettre dans le jeu leur centre, quand il y a des espaces, c'est dangereux un peu partout. C'est là où c'est difficile pour Winnes, car ils savent pas vraiment où se positionner en défense. Et on voit que quand ils s'écartent, c'est les avants qui arrivent. Et quand ils se resserrent, ça écarte. Donc c'est très bien joué de Toulouse. Bien sûr que tu dois choisir un peu plus tard le joueur de match aujourd'hui.
Donc il faut que tu penses un peu maintenant. Oui, il y en a plein qui pourraient là-dedans. On va voir cette seconde. Il reste 40 minutes. 40 minutes encore. Peut-être c'est un joueur de Windows. Pourquoi pas, s'il faut une grosse remontée de Windows, et ce sera peut-être un joueur de Windows. Donc, il attend ici l'équipe de Windows. Je crois que peut-être Toulouse ici, ils ont fini. Toulouse sont déjà à la douche. Oui, dans la douche, et puis l'aéroport, et puis le soleil à Toulouse. Oui, c'est sûr. Ils sont rentrés à un étoile. Non, ils ont arrivé un peu plus tard. Mené par Jonathan Ford et Andrew Dixon. Il a joué un bon match aussi. Andrew Dixon, qui a été bon là aujourd'hui, il a marqué ses deux essais comme il fallait. Alors, on est prêt, Steve Tyra, avec le coup de pied, l'arbitre Tom Grant. Première chaîne défensive pour Winness, très, très importante là, on va d'ailleurs voir avec quelle mentalité il commence cette seconde alors, période. Tyra, c'est reparti pour la deuxième période, et c'est Toulouse qui mène 3-0. Et tu le joues un type, une sorte de rugby très, très joli à voir. Ouais, on voit que là, direct au premier tenu, ils ont failli surprendre là encore la défense de Winness en écartant le ballon très tôt sur ce coup d'envoi. Bretherton. Libérer le ballon. Plaqué par Tillek, je m'excuse. Un jeu très ouvert, ils aiment jouer au ballon, libérer les balles, on le voit. Mais le jeu ouvert, ça marche pour Toulouse. Absolument. Et ça chauffe déjà. Pelissier. Marion. Et encore. De la pression pour Witness. Ouais, un bon jeu au pied d'Anthony Marion là qui. C'est le drop, renvoie sur les poteaux. Ouais, c'est la seconde meilleure chose après un essai, hein, c'est récupérer la balle pour attaquer encore la ligne d'essai. Donc là, ils ont une seconde chaîne en début de seconde mi-temps. Joli coup de pied à ras de terre de Marion et puis Garbutt. Plein de puissance de Mitch Garbutt. Pelissier attend des options à droite et à gauche. C'est à droite à Marion. Avant. En avant. Passe en avant. Une passe un peu au ras de la ligne qui a échappé. Ah, je pense pas qu'elle était pour lui. Il y a une main qui a traîné là. Et... Yeah, so a reprieve for Widnes. With this huge deficit, they trail 30 points to nil. Here it's Hayward Road in Sale, live on Our League. Hope you're enjoying our coverage. Slightly different today, the blended commentary of a bit of French and English. Avec Théo Fage, le demi de Saint-Élans et France. Mais ce match à domicile, bien sûr, pour Toulouse, il attaque encore. Ouais, il a utilisé la nouvelle règle. Avec Vavoy. Tous les joueurs se sont enlevés du placage un contre un et il peut l'arracher. Et bien fait. Ça ne fait pas les affaires de Winness. Plus de pression sur la ligne des Vikings. Pelissier. Avec des pieds qui dansent là-bas. Face au poteau à droite. Garbutt attend. Changement de direction. Ça repart à zéro. Jonathan Ford. Il pense au coup de pied, mais non. Pas cette fois.
Oui, ça vient de repartir à zéro. Pelissier, il feinte à gauche et puis à droite. Et essai inscrit par Mitch Garbutt. Et Toulouse mène 34-0. Ouais, encore beaucoup d'espace. Encore beaucoup d'espace au roi du tenu, bien exploité pour les avants. On voit là l'arrachage intelligent. Tout le monde s'écarte, un contre un, il arrache. Yeah, the one-on-one ball still. Et puis, la puissance de Mitch Garbutt. Ouais. Face au Poitou. They just set it up for the big man here. Oui, c'est ça. Là, on voit pourtant ce n'est pas une tenue très très rapide, mais elle, beaucoup d'espace. Et Eloi montre à gauche et part à droite. Et... Il y a un gros trou dans la défense pour Mitch Garbutt. Trop facile de nouveau. Trop facile, c'est ça. Et transformé par Anthony Marion. Et Toulouse mène 6-0. And a couple of your mates from Toulouse having a bit of a go at you for your commentary debut down on the touchline. Having a bit of fun. Who are you speaking to there? Who is that you're talking to? Joseph Polo. Eh? Joseph Polo. Yeah, I played with him last year and the year before. Jouais avec lui à Saint-Hélène, on est champions ensemble. Ça fait plaisir de revoir. Vous avez gagné ensemble le grand final. Oui. Alors, il reste 34 minutes très très difficiles pour cette équipe de Widnes. Oui, Toulouse qui va continuer à attaquer cette défense, même si il gagne 36-0, maintenant ils vont se faire plaisir un peu. Il peut marquer. Et marquer plein de points aujourd'hui, je crois. Oui. There are as many points as they want here for Toulouse. You feel Dixon sur la passe de Jonathan Ford. Pelissier, le talonneur. Et puis Vavoy, plaquage haut. Non, il a dit non, l'arbitre. What do you think? Ouais, là, il y avait placageau là. Placageau là. Oui. L'arbitre ne veut pas trop être dur avec Widnes, il me semble. High tackle given by Théo Farage, mais pas l'arbitre. Cinquième et dernier tenu, la chandelle de Jonathan Ford. Facile pour Jack Owens. Et Steve Tyler à gauche. Il peut faire quelques changements s'il veut. Silva Oulez. Le match c'est gagné, c'est fini. Mais je crois que ce qu'il veut c'est le zéro de Widnes, c'est garder le zéro. Voilà, maintenant c'est faire une performance de 80 minutes professionnelle. Oui, c'est ça. Ils ont bien, jusqu'à présent, ils sont bien au-dessus. Le match sera gagné si ça continue comme ça. Et voilà, maintenant c'est continuer à travailler en défense. C'est mieux pour Widnes. Steve Tyler. L'ancien joueur de... Il a commencé à St. Helens, Steve Tyrett. Et puis Halifax encore. Maintenant à Widnes, Matty Smith, Jack Owens, petit peu. Et puis... Ouais, Dion Cross. Une attaque de Widnes qui a failli tromper la défense. Face au Poitou, la chandelle de Matty Smith. Ça continue. Est-il en jeu? Non, ça continue. Non, c'était un joueur de Widnes qui avait touché la balle, donc ouais. il est pas hors-jeu. Yeah, play on. Ouais, Widnes qui va devoir tenter des choses maintenant s'ils veulent marquer des points. C'est difficile à voir comment il peut marquer aujourd'hui, ouais. Widnes. Et pénalité contre les Vikings aussi. Donc, nouvelle occasion, nouvelle opportunité pour relâcher la pression. A piggyback up the pitch. Ouais,
Et on peut écouter les joueurs. Ouais, on entend tout, c'est l'avantage de pas de supporters ici, comme on le sait. Donc, Vavai, plein de puissance, le centre gauche de Toulouse. Pelissier, le talonneur, et puis Ford. Salabio, le jeune des Dragons catalans, prêté pendant deux semaines, je crois. Oui. Pelissier. Et puis Marion Bretherton. On voit que l'intensité de Witness a augmenté un peu là. Il y a de l'envie. Après, est-ce que ça suffira? Oui, il doit le faire. Il a voulu libérer le ballon là. Une attaque qui arrive là avec Ford. Il reste deux tenues, Pelissier, Marion, ballon perdu, je crois, ouais. Et Witness récupérer le ballon, Théo. Ouais, encore un petit côté joué là de Toulouse qui n'a pas réussi, un ballon perdu. C'est encore un peu mouillé sur le terrain, il a plu et le ballon doit être un peu glissant. Mais bon, Toulouse qui tente et qui donne quand même. Qui rend le ballon dans les 20 mètres adverses, donc c'est pas une mauvaise position pour rendre le ballon. L'essai de Mitch Garbutt, le seul essai de la seconde période, deuxième période. Donc Sangaré sortir du jeu, pénalité contre Toulouse maintenant. Voilà, on va voir si Witness trouve des solutions maintenant pour essayer de marquer le premier essai du match. Est-ce qu'il peut trouver un point? Oh, ça a frappé une voiture là-bas. C'était à toi? Non, ça va, c'est pas la mienne. Moi non plus. Alors, ça chauffe pour la première fois sur la ligne de Toulouse. Matty Smith. Oh non, erreur. Encore une passe un peu hasardeuse. On voit l'attaque de Witness qui n'est pas aussi fluide que celle de Toulouse. Et Jack Owens. Contre une des meilleures défenses du championnat, c'est difficile. C'est ça. Brad O'Neill, des options à gauche. Talik pour les Vikings. Face au Poitou. Occasion pour marquer Lyon. Non, c'est récupéré très facilement. Voilà, par Toulouse. L'arrêt était bien positionné là, bien vu. Oh. Et allez. C'est trop d'espace. On voit les ailiers qui remontent bien la balle. Là. 36 à 0 en direct sur Our League. Le match à domicile pour Toulouse Olympique, mais joué aujourd'hui ici à Hayward Road, la maison de Swinton Lions. Opportunité pour Vavai et puis Flovy. Et c'est en début pour Jordan Flovy. Ouais, très bien joué. On l'a vu, le même play qu'en première mi-temps, un petit retour inter pour son arrière. Et en première mi-temps, ils avaient marqué le tenu d'après, mais là le soutien était bien placé. Ils ont trouvé la passe qu'il fallait. Et Flovy qui marque un joli premier essai pour Toulouse. Ouais, les avants avancent bien. On voit Eloi là qui travaille bien. Et un petit retour inter. L'arrière qui a son soutien, choisit la bonne passe, bien exécuté. Et bien marqué à côté de la ligne. Et Flovy qui finit. Essai pour le jeune Dragon qui est arrivé cette semaine, Jordan Flovy, et c'est 40 points à 0. Il reste 27 minutes à jouer. Oh là là. Oui, maintenant il faut, si Witness baisse les bras, ça peut aller très vite. On sait au rugby à 13. What's the French for ugly? C'est pas beau. Ouais, c'est ça.
4 points à 0 pour Toulouse. Et 40. Je m'excuse. Ouais, c'est ça. 4 points, c'était okay, ouais, il y a longtemps. Je m'excuse. Transformé par Anthony Marion. Donc, 42 points à 0. Et c'est pas beau. Pour Witness. Yeah, pour Witness. Let's have another look at this this break and this try. Ouais, voilà, il a retour inter, comme on l'a dit, l'arrière a beaucoup d'options là. Il y avait vraiment beaucoup de soutien de Toulouse et c'est ce que le coach veut voir. Et il sera content avec ça. Dès qu'il y a une opportunité, il faut la concrétiser. Bon, dans ce match, c'est peut-être pas très important, mais dans les gros matchs, ça le devient en plus. Et il ne faut pas manquer des opportunités comme ça. Domination territoriale complète aujourd'hui par cette équipe des Olympiennes. Et ils n'ont pas fini ici. Bye-bye. Et encore Flavie. Mais récupéré par Deon Cross. Et encore pour Toulouse. Il a récupéré la balle avec un arraché. Voler le ballon. Ford. Garbutt. Libéré. Ford encore. Avec la feinte. Dixon. Il veut la hat-trick, Dixon. Oh ouais. Pellissier. Ford encore. Il avait Garbutt à gauche, à l'épaule gauche. Il reste là à l'épaule gauche, Garbutt. Et puis Ford, avant les poitrines. C'est Garbutt encore. Non, il va du sol. Essaye pas, Eloi Pellissier. Un grand trou encore. Et Pellissier entre une essai pour Toulouse. Beaucoup de questions posées pour l'attaque là de Witness. Pour l'attaque de Toulouse, pardon. Et la défense de Witness est perdue. Ils ne savent pas qui prendre. Ça s'ouvre pour Eloi, qui bat son vis-à-vis encore. And it all came from the big break. Ouais, on voit down this near side. Il joue libéré, très bonne libération du centre pour Elie. Après la vitesse de Flavie, une passe. C'était Flavie encore. Ah, l'ailier qui revient bien là, mais très intelligent. il a récupéré la balle, ça repart à 0. Un contre un. Et puis Pellissier. Ouais, Loa quand même beaucoup de vitesse aujourd'hui. Et tout le monde se préoccupe de l'avant cette fois. Quand ils ont marqué plusieurs essais et ça s'ouvre pour Loa. C'est Marion encore. Essai inscrit par Pellissier. Et puis Marion pour mettre encore deux points. Facilement entre les poitrines. Et c'est Toulouse 48 Witness 0. Toulouse qui joue libre maintenant, 48-0. On voit qu'ils tentent des choses, ils s'amusent. Et ça marche. Voilà, là on voit le numéro 12 qui laisse passer. Adam Lawton qui ouvre la porte et Loi qui voit bien ça. Il a manqué le plaquage. Et encore Mitch Garbutt. Et la femme, Mitch Garbutt. Très beau plaquage. Très très beau. Sangaré. Impact. Oh, celui-ci n'était pas encore égaux, hein. un plaquage. C'était méchant ça. Le bagage. Ça chauffe. Ça chauffe là. Ouais, c'est normal. Ça deux plaquages, je crois. Et c'était le deuxième. Ouais, après. Qui était méchant. Sur Sangaré. Let's have another look. Oh ouais, c'était longtemps encore. C'était lui encore et on voit le second qui arrive aussi pour un peu inutilement. Peut-être de la frustration du match 46-0, ça fait jamais plaisir. Ça chauffe un peu ici à Hayward Road. What's his third eye tackle?
Correct. On peut écouter l'arbitre. Off you go, mate. In the bin. Carton jaune pour Lawton. Yellow card. Ouais, voilà, maintenant ça va être très très compliqué pour Widnes. 48-0. Et maintenant 10 minutes avec 12 joueurs. It's falling apart a bit here. Pour Widnes. Whoa! Et le ballon. le ballon m'a frappé à la tête. Did hit you? It did hit me. It's one thing trying to commentate in French. You're not expecting the ball to smash you in the face. Blimey. It was going to hit you, Théo, and you moved. I didn't expect that. Théo a bougé un peu. J'aurais dû attraper pour toi. Désolé. Et j'étais concentré, on trouvait les mots français et le ballon m'a frappé à la tête. Oh, dear me. I thought the hardest thing today would be finding the French words and it was not being hit in the face by a rugby ball. 48.0 pour Toulouse contre Widnes. Blessure pour Sangaré ici, blessure à tête, je crois. Je crois qu'il est right, il est ok. Ouais, il a l'air d'aller. Avec un joueur en moins maintenant, ça va être. Plus de la pression sur la ligne de Widnes. Bretherton. Il joue encore une bonne saison. Oh. I've just been asked if I need a head injury assessment. I'm okay. Ça continue ici avec Toulouse Olympique face au Poitou. Marion est récupéré par Widnes. But great defense, great chase from Toulouse. Ils ont bien travaillé là, Widnes. Une bonne défense, même à 12. Mais bon, pour Toulouse, ils n'ont pas besoin de marquer plus d'essais. Reste 20 minutes à jouer. Donc peut-être en 10 minutes. On voit la vitesse de ligne de Toulouse là qui est. 2 minutes, qui ne laisse pas respirer Widnes. Oh, c'est mieux ça pour Widnes. Vers la ligne. Il marche à Sangaré. Coup de pied de Matty Smith, mais facile pour Vavai. Non, c'est pas Vavai, je m'excuse. C'était Latrell Schunkel, le arrière de Toulouse Olympique. Il a bien remonté cette balle, il essaie de trouver de l'espace. Il veut deux choses, je crois, maintenant Toulouse. 5 en poids et le 0 pour Widnes. Vavai avec Flovi. Déjà on essaie en début. Qu'est-ce que tu penses des débutants aussi? Oui, non, les débutants sont bien. Après, ils sont bien adaptés à l'équipe. C'est difficile quand on vient d'arriver dans un club, surtout en quelques jours de préparation. Ouais. Mais pour aujourd'hui, ça s'est bien passé. Pénalité contre Widnes. Quelques mots échangés aussi. Ouais, un peu d'agressivité là. Un peu d'agressivité, c'est ça. Few words exchanged, we can hear here between the two teams. Gabot et puis Pellissier, Sangaré, non, c'est Jonathan Ford. Option à droite. Et c'est trop facile, et
C'est 50 points. L'arrière, Schomkel, avec l'essai. Et Toulouse a trouvé 50 points aujourd'hui contre Widnes. Ouais, la jolie attaque là. De tout à gauche à tout à droite, ça écarte bien. Des bonnes passes, bien exécutées. Après, un défenseur en moins, donc il y a forcément un surnom quelque part. Entre, voilà, bonne vitesse, entre deux défenseurs là, Steve Tyra et Jaden Hatton. La ligne défensive gauche de Widnes. It's a sorry story this for Widnes. Ouais, je sais pas ce qu'ils doivent se dire sous les poteaux là, mais ils doivent leur tarder la fin du match. Ouais. Il reste 18 minutes. Et Toulouse peut marquer 60. 70, 80. J'espère pas pour Widnes. Ouais. Mais bon, parfois à la fin de saison, ça se joue au goal average, donc. There's an incident on report. Just watching the referee, he's put an incident on report. He's. Ah oui. He's had a chat with les deux capitaines, Jonathan Ford et le capitaine de Widnes aussi. Je sais pas très bien ce qui s'est passé là. J'ai pas vu. Non, je sais pas aussi. Mais c'est une très bonne journée au boulot pour les joueurs toulousains ici à Manchester aujourd'hui. 52.0. Transformation à venir. Nous voici Anthony Marion avec le transformation. Poteau encore. C'est deux fois. Ouais. Deux fois dans, un dans coup ce à droite match. Et un coup à gauche. So 52-0, twice he's hit the post, and ouais. Widnes have got to hang on for 17 minutes more. Théophage. On voit encore là une belle attaque bien exécutée. Il y a un décalage qui est fait, c'est bien vu. La vitesse de l'arrière, la trail qui fait la différence à la fin. Sans trop de difficultés, bien exécuté. Good envoi, Steve Tyra. Récupéré par Jonathan Ford. Et ouais, encore une fois, un petit play là, direct après le coup d'envoi pour faire bouger la défense de Widnes, déstructurer la défense de Widnes. Bretherton, il veut libérer le ballon là. Pellissier attend les options à gauche et puis à droite, c'est bien fait par Widnes là. Pellissier encore et puis Ford et Dixon. Là. Dixon qui a été très, très bon pour moi aujourd'hui. Oui, il a marqué deux essais, mais en défense et en attaque. Il travaille très dur en ouais. Défense et en attaque. Vavai. Est-ce qu'il a perdu le ballon? Non. Cinquième et dernière tenue. Coup de pied croisé de Jonathan Ford. Not a great kick. Ouais, je pense pas qu'il ait voulu faire ça avec son coup de pied. Il s'excuse d'ailleurs auprès de son centre et lié opposé. Un petit coup de pied manqué. Tyra. Avec puissance au milieu. Et bon, on va relâcher un peu le pack de Widnes. On voit Widnes qui a du mal à avancer. Il ne gagne pas beaucoup de mètres, c'est difficile. Il reste 15 minutes à jouer. Louis Else et le talonneur, et puis Brad O'Neill, les deux talonneurs qui jouent entre les deux. Encore Louis Else, il joue à gauche, coup de pied, la chandelle de Joe Lyons. Et bien pris par Schumacher. Ouais, bien, bien rappelé fait ça. Une bonne série aussi de Widnes. On voit encore Pellissier, Ford. Ça écarte. Et il y a des trous ici à gauche. Je crois que Mitch Garbutt est fini pour le match. Ouais, ça y est, il peut se reposer maintenant. Je pense pas qu'il il va se rentre. Repose, oui. Il est sorti
do much. My old friend from Leeds, mon ancien ami de Leeds Rhinos, Jonathan Ford. Petit coup de pied à touche. Ça joue. Non, il sorti à touche. Ouais, encore plus, encore combien, quelques minutes à 12, donc. Ouais, c'est ça. Il y a encore des espaces, des opportunités à prendre. Après le grand final 2017 contre Leeds a gagné, after the 2017 grand final, I was interviewing in the dans les vestiaires, in the changing rooms. Straight after the match, and Mitch Garbutt has already had three hamburgers. And a few beers. And a few beers. Yes, yeah. He's an athlete. Well, after winning the comb, you can have a few beers. Absolutely. C'est une émotion que tu as expérimenté la semaine dernière, l'année dernière. Oui, yeah, what's it like winning the grand final? Oh, it's the best feeling. That's what you play for. And, something I'll remember for the rest of my life, for sure. C'est une réalisation de rêve. C'est un rêve, ouais, c'est un rêve qui se réalise, de gagner, ouais. D'avoir eu la chance. Oh, c'est bien fait. Oh, il est très beau. Juste avant l'air, il a plongé sur la ligne. Il a marqué, il a entré encore. Deuxième essai pour Éloi Pellissier. Ouais, Éloi quand même de la chasse. Et ça chauffe pour Toulouse encore. Très bien libéré là, il y a eu plusieurs libérations de balles. Et ça joue avec de la vitesse, c'est impossible pour Winness à défendre. On va revoir cette attaque, mais... Let's have another look. Ah, un arrachage encore. Another one-on-one steal. We've seen a lot of that. Un arrachage encore, et on voit les transitions, c'est très important. Et ça joue vite, direct. Les avants qui jouent entre eux. C'était Schumacher, les libérations de ballon pour Pellissier. Ouais, plein de puissance. Joué. Puissance, raffut. Et à la fin, c'est juste, mais il y en a assez. Donc, Toulouse qui compte pas s'arrêter d'attaquer et de marquer des essais. 56.0 dans un moment. 58.0. Transformation de Anthony Marion. Et c'est très facile, c'est trop facile cet après-midi pour les Bleus et Blancs. Théophage. Ouais, on voit encore là un petit soutien de l'arrière qui pousse avec ses milieux. Et c'est bien vu, ça libère dans le trou. Et Loa qui est là pour finir encore du soutien. Et Toulouse qui joue un jeu très, très, très ouvert et très sur les beaucoup de soutien et de vitesse. Et aujourd'hui, ça marche parfaitement. Alors 9 essais aujourd'hui entre par Toulouse. Il reste encore 11 minutes à jouer. Il y a deux joueurs qui peuvent compléter le hat-trick aussi. Dixon et Pellissier. Et pénalité. Et ça chauffe encore. Ah ouais, là, ça a chauffé, ils sont pas contents. Mais... On n'a pas bien vu de là ce qui s'est passé. Oui, on va voir. I think witness are saying if we can't win the match, let's try and win a fight. Yeah. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas. Est-ce qu'il a mis un coup de genou dans la tête ou je sais pas. Peut-être un coup de genou dans la tête. Peut-être des mots. Okay, écoutez l'arbitre. Ok, mate, cheers. Late, mate. Ok, mate, you. Let's go, pal. Let's go. Late, mate. Pénalité, right. Ça suffit. C'est un peu pénalité, oui. On n'a pas trop bien compris l'incident là. Mais. Une pénalité suffit. Nouveau opportunité avec le ballon pour Toulouse Olympique qui a entré 9 essais aujourd'hui. 58 points.
Il reste 10 minutes à jouer. Fort de Dixon et Sangaré. Pelissier. À gauche, Vavai. Encore Vavai avec puissance. Flovy, le talonneur pour le moment. Ford. Et changement de direction à gauche pour Hansen. Pelissier attend. Dernière tenue pour Toulouse. Dixon, Dixon pour la hat-trick. Hat-trick pour Andrew Dixon. Et encore un grand trou dans la défense de Widnes. Et un hat-trick pour Andrew Dixon. Ouais, Dixon qui mérite aujourd'hui son hat-trick. Il a travaillé dur en défense et en attaque. Et il marque les essais derrière. Une performance complète aujourd'hui. Ouais, complete performance. Performance complète. I will ask you for your player of the match voilà. In a few minutes, but I think ouais. We know who it might be. C'était Ford et puis le changement de direction. Ouais, beaucoup de changements de direction aujourd'hui, surtout avec les conditions un peu mouillées. Et là, Eloi. Et tu peux voir Pelissier, il sait ce qu'il veut faire ici. On voit Eloi qui parle, qui jette un œil, qui jette un œil, un regard à ses joueurs. Et parfois, il n'y a pas besoin de se parler, juste un petit regard veut tout dire. Et là, Dixon, il a bien compris, il s'est bien positionné, une bonne course rentrante. Et la passe dans le trou d'Eloi Pelissier qui met Andrew pour son hat-trick. 62 points à 0, Toulouse face à Widnes. Transformation de Marion, oui, cette fois, oui. Donc 64 points à 0. Et Widnes. Marion qui sera bien entraîné aujourd'hui pour. Ouais. Oui, c'est ça. C'est. Comment dire, embarrassant. Embarrassant, oui. Embarrassant pour Widnes aujourd'hui. C'est pas facile là, pour les joueurs de Widnes. Et. Don't worry, lads, don't worry. Ok, Steve. Ouais, c'est ça, coup d'envoi pour Jonathan Ford. Donc, le vol à Toulouse, c'est quoi 2 heures 2 heures. Mais c'est. Un peu moins. Mais le voyage à Widnes, ça serait dur aussi. Pour le voyage à Widnes sera plus long, peut-être. Ouais, c'est ça. Mentalement. Il reste 7 minutes. Voilà, on voit pas Widnes marquer un essai, à moins qu'il y ait une erreur de Toulouse. Je peux pas le voir aujourd'hui. Pas du tout. C'est domination complète par Toulouse Olympique. Coup de pied. Oh, Marion récupéré par Widnes. On voit que les joueurs de Toulouse ne sont pas du tout fatigués par ce match ou pas. Ils n'ont pas beaucoup défendu aujourd'hui. Ouais. Alors, votre joueur du match, your player of your hourly player of the match, Théo Farge. Ouais, je pense que vous l'avez compris, j'ai déjà mentionné son prénom. Andrew Dixon, pour moi, aujourd'hui, a fait une bonne performance. Il a travaillé très dur en défense, en attaque aussi pour se positionner, pris beaucoup de ballons. Et il marque 3 essais aussi. Donc Andrew Dixon sera mon homme du match. Andrew Dixon is the Our League player of the match. Hat-trick hero, and as Theo was just saying, he's worked so hard in defence and attack today. And Andrew Dixon is the Our League man of the match. Could yeah, he deserves it today. I think, you know, he's a complete player. And he works out for his teammates and today he scored hat tricks as well. So. Je suis d'accord. Il reste 5 minutes à jouer. 5 minutes long, dur pour Widnes. Mais il continue. Ford. Ouais, je pense qu'ils sont. Est-ce qu'ils peuvent trouver.
ils vont encore essayer de marquer un essai avant la fin, Toulouse. Il veut le hat-trick aussi, policier. Marion avec le coup de pied. Il a joué un bon match aussi. Oui, après, tous les joueurs de Toulouse, ou beaucoup de joueurs de Toulouse ont été bons aujourd'hui. Tyra! Just trying to ignite witness Steve Tyra there. Oh! Gros placage! C'est des performances comme ça qu'ils doivent faire s'ils veulent espérer monter en Super League tout le long de la saison. Oui, c'est donc, ça. C'est une performance on voit qu'ils sont d'une équipe de Super League, n'est-ce pas? Oui, voilà, ils sont bien au-dessus de... Pénalité contre Toulouse. Ils sont bien au-dessus de Witness aujourd'hui dans tous les comportements du jeu. Et voilà, il faut qu'ils soient comme ça toute la saison et surtout à la fin de la saison pour gagner le championnat et monter. Il reste 3 minutes et 30 secondes à jouer. Witness n'a pas trouvé une solution aujourd'hui. Ouais, voilà, maintenant il faut qu'il tienne. Oh, il va tout seul. Non. Pas cette fois. Matty Smith attend à l'épaule droite. Le voilà, Smith. Et Jack Owens. Et puis, à côté de la ligne. Et c'est... Non. Oh. Non. La touche, il a dit non. One of those days for us. Ouais, c'est dur pour eux là, parce qu'il y avait une belle opportunité. Vraiment. Il a mis le pied en touche. L'arbitre de touche qui lève le drapeau. Kenny, tight in, please step forward, Kenny. Oh, c'est difficile à voir. Ouais, je pense que l'arbitre estime qu'il a marché sur la ligne, mais je crois qu'il a marqué ça. Je crois aussi qu'il a marqué. Ça, Toulouse sera content avec ça, mais les pauvres Witness aujourd'hui, c'était pas leur jour. Yes, myself and Theo both think that was a try. The touch judge Theo put his flag up straight away. At least he was adamant that it wasn't. But we, having seen the benefit of the replay, we think it was a try. And with the TV replay in Super League, that would be a try. But yeah, it looks like a try for me too. It's a bit tough for Witness boys because they're trying. Il a dit que il avait le pied à touche. Oh là là! C'est Toulouse encore. Et puis Palizier pour la hat-trick. Palizier tout seul. Il va tout seul. Hat-trick. Pour Eloi Palizier. Voilà, comme la première mi-temps, c'est Witness qui aurait pu marquer. Et de l'autre côté, Toulouse qui marque leur essai. Deux hat-tricks. Palizier, Dixon. Ah, ça va faire 70. S'il la transforme. Et c'est une performance parfaite. Mais on voit la bonne attaque encore côté droit, le centre qui trouve l'intervalle. Et je crois qu'il avait le choix entre l'ailier ou Pellissier. He was never gonna pass that. He was never gonna pass it. Et là, il demandait la balle pour son troisième essai. Donc je pense qu'il lui a fait un cadeau là. Un cadeau, oui, c'est ça. Et bien joué après. Ouais. Bien fini. Hat-trick pour Andrew Dixon, hat-trick encore. Pour Eloi Pellissier et donc, transformation pour mettre les deux points Anthony Marion. Mitch Garbutt's giving me a bit of stick. Why aren't you out there anyway? You're out. I don't know if you can pick that up on the mic, but I'm being abused by Mitch Garbutt, the grand final from 2017. Encore 2 points de Anthony Marion. Ouais. Et 70.0 pour Toulouse Olympique. Bah, ça y est, je crois que c'est fini là, 10 secondes. Est-ce qu'ils vont taper le coup d'envoi? On voit de nouveau là, l'essai refusé de Witness et de l'autre côté, une attaque de Toulouse. It was a great break, Toulouse. This, wasn't it? Brilliant, ouais, from Toulouse, sorry. Une belle attaque
bonne ligne. Et alors qu'il doit encore battre deux joueurs et qui a encore assez de vitesse à la 80e pour aller marquer son essai. Avion. S'ils vont tenter quelque chose. Non. Je crois que c'est fini pour Widnes. Il reste 20 secondes 15. À jouer. Final 10 seconds of what's been an ugly afternoon for Widnes, but brilliant for the blue and whites of Toulouse. Olympique. There's the hooter. Et c'est fini. C'est parti, c'est fait ici. Et quelle performance, quelle domination de cette équipe de Sylvain Hulez qui a marqué une grande victoire. 70 points à 0 contre, face à Widnes, Théophage. Oui, on l'a dit, c'était un sens unique aujourd'hui pour Toulouse. Qui seront contents de ça parce que c'était leur match à domicile et ils n'ont pas pu jouer à la maison, donc il y avait un gros challenge là. Et ils ont fait le voyage, les conditions ne sont pas les mêmes ici qu'en France, donc ils seront contents avec cette victoire et c'est des performances comme ça qu'ils doivent continuer à faire pour obtenir leur objectif en fin de saison et gagner ce championnat. Donc, c'est une performance d'une équipe de Super League, je crois, ça, plein de puissance de Toulouse. Oui, c'est ça. Ils ont surtout 80 minutes, on a vu qu'ils auraient pu se relâcher parce que c'était confortablement à la mi-temps. Il y avait déjà 30 à 0. Donc on peut voir le résumé des moments décisifs, des moments clés du match, Théo. Oui, il y en a beaucoup. Oui, beaucoup. Ça risque de durer pas mal de temps. Ah, on voit Dixon, on l'a dit. Il joue deux matchs. Hein, là, il marque pas sur celui-là, mais il joue sa part. Un petit coup de pied, un peu de réussite pour le premier essai. Lloyd White. Et puis, je crois que c'est la chaîne d'après. On voit que Toulouse rattaque encore sur. So these are all the tries. Et quand c'est pas au milieu, il y a des espaces sur l'extérieur. C'est Bretherton et Joussomme. J'ai joué un bon match ici au centre. Et ça continue. Ah oui, je crois qu'aujourd'hui tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. Dès que ce soit du numéro 1 au 17. Tout le monde a joué sa part. Et Sangaré, you don't stop Sangaré. In close range. Non. Et même encore pour Mitch Garbutt. Et c'était Dixon encore. Oui, Dixon là qui boit son vis-à-vis. Pelissier, il pouvait avoir 4 essais aujourd'hui. Il a fait une bonne performance, il a été bon aujourd'hui, comme beaucoup aussi. C'est un sport d'équipe, il n'y en a jamais qu'un, il faut que tout le monde soit bon. Et aujourd'hui, c'est ce que Toulouse a été. Ça, c'était laissé juste avant la mi-temps, il me semble. Ailier Jai Hitchcock, ancien joueur de Bradford. Et pour la seconde, la deuxième période, même chose. Ouais, la seconde demi-temps, c'était de nouveau à sens unique, même plus. Je pense que Widnes a dû baisser les bras à un moment. And there were two men here who wanted hat-tricks, weren't there? They ran in points at will. Oh, c'était Garbutt. Avant les Poitiers. Et puis Pelissier et Ford et Schumkel. Et Vavai pour le jeune Catalan. Ouais, encore une bonne attaque. Bien finie pour Olivier. C'était Flové. Et puis Pelissier. Essai après essai après essai.
C'est Pelissier, ouais, Pelissier qui a orchestré l'attaque de Toulouse aujourd'hui. Avec ses avants, il a su dominer cette équipe de Winners. Et puis Pelissier encore avec Ford. Et le Ariel Schumkel. Beaucoup d'essais. Beaucoup d'essais. Ouais. 12 essais aussi, je crois, aujourd'hui. C'est le deuxième essai pour Loa Pelissier. Et puis Dixon a fait le hat-trick. Tu peux voir Pelissier, c'est on voit le regard, exactement ce qu'il veut faire ici. Et les marqueurs qui ne sont pas, ouais, pas très urgents ici. Donc, hat-trick pour Dixon. And still time pour Éloi Pelissier. Éloi qui marque son essai. Oh, here was the, on revoit. The Dion Cross. Oh. I think that's a try. Ouais, difficile à voir. Je pense aussi. Malheureusement pour Witness, il n'a pas été accepté. On voit derrière que Toulouse en profite, accélère encore. Et puis le dernier essai du match et hat-trick pour Éloi Pelissier. Et c'est fini 70-0. Les entraîneurs et joueurs du match, Andrew Dixon, sont prêts à parler avec Martin Knight. Andrew Dixon, you're the Bedford player of the match today. A hat-trick as well today for you. That was an immense game from the team. How was it for you? Yeah, it was tough. You know, the opening exchanges, you know, Winners are a good side, and, you know, I know the scoreline doesn't show it, but the opening exchange is really tough. And I think we just got in the grind, and, you know, we did what we'd been planning all week, and, you know, managed to get on a bit of roll in the second half. You've obviously been stop-start for you guys because you've only had the two games so far. It looked a lot like there was a sort of frustration from you guys, and you've come out and been released onto the field. I mean, did it feel like that you had your wings? You could suddenly do what you wanted to. Yeah, definitely. You know, it's a pleasure playing with these guys. It's a great team, and, you know, I just managed to get off the back of a few of the guys passing that today. So, you know, it's really good playing there. It looked very easy. Is it that easy? No, honestly, the open exchanges was tough, and, you know, that's something we've been talking about all week, and, you know, getting into that grind and getting into the flow of the game, and I felt like we did that today, and, you know, it was good to get in there. Thank you very much. I'll move on now to Sylvain, the coach. Sylvain, 11 tries I made that. That's about as comprehensive as it can be. You must be very pleased. Yeah, I am, you know, like, extremely pleased, you know, like the 11 tries, but also like our defense, you know, the zero, like that's something important to us, and that's what we worked, you know, over the week, you know, on our defense, and the boys did very, very, very well. They always seem to be moving forward. It looked like the frustration of not being able to play was suddenly released, and they just came through. And again and again and again, making big yardage. Yeah, I mean, we love you know, each other, and I think we love each other company, you know, and I think that you can see that, you know, we're having fun, you know, when we come to training, and the boys are very, very good, you know, we've got some very good guys there up there, and they work their combination, they play and together, and they work hard indeed, and that's at the end of the day, that's what we want. So when you get back on the training field, what do you do from here? It doesn't look like there's many things you have to work on, but you work hard and keep working hard. Yeah, there's still a few things, and, you know, and at the end of the day, it's our attitude that we turn up. You know, obviously we've got a journey. We need to. There's a few things we need to work, and it's our mind. You know, like that's probably the biggest thing for us. Prepare our mind to what's coming us. Like, you know, from week to week it can change, especially with the COVID. So. The mindset is a big thing for us, and with the thing that the pressure we take, that's a big thing, because we need to enjoy each other company, because we spend a lot of time together, you know. Thank you very much. A fantastic performance. Thank you, Sylvain. Thank you. Thank you. L'entraîneur de Toulouse Olympique Sylvain Houlez, aussi le joueur du match Andrew Dixon. Un bon moment pour Toulouse aujourd'hui, un bon moment pour l'équipe Théophage.
Oui, bonne victoire de Toulouse aujourd'hui. Ça concrétise un peu leur début de saison qui est parfait. Donc, ils vont espérer continuer comme ça, je pense. Et voilà, leur objectif principal, c'est de monter en Super League l'année prochaine. Donc, une grosse saison de leur part sera demandée pour arriver à leur but. Thank you for today. Did you enjoy it? How was your commentary debut? Ouais, c'était cool, c'est sympa. Et ton français est bon. Merci, merci beaucoup, Théo. Alors, c'est fini. Grande victoire aujourd'hui ici à Manchester, à Hayward Road pour Toulouse Olympique face à Widnes. From Théophage and me, George Riley. À la prochaine. Au revoir.